Stanley Fischer, le gouverneur de la Banque d'Israël, a mis fin à son silence prolongé et s'est exprimé lundi sur les secousses qu'ont subi les marchés mondiaux le mois dernier et leur influence sur le marché israélien. Fischer a à nouveau déclaré que l'économie israélienne était assez solide pour supporter la crise. Pour ce qui est de la bonne santé de l'économie, Fischer estime, contrairement à beaucoup, que les niveaux records atteints il y a un mois par le marché ne sont pas exagérés. La conférence de presse de Fischer n'a pas impressionné les investisseurs et la place boursière de Tel Aviv enregistrait lundi de légères baisses. Fischer comprend très bien lui-même qu'il ne constitue pas le facteur le plus important de l'économie israélienne et du marché boursier, ceux qui donnent le la de l'économie, eux, sont bien loin.